Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose la recette du tagine au poulet, carottes et petits pois. Un tagine très facile à réaliser et hyper bon. Alors restez avec moi pour suivre les différentes étapes nécessaires pour cette recette. Nous aurons besoin de 2 cuisses de poulet, de 300 g de petits pois. Ici, j'ai utilisé des petits pois congelés, vous pouvez utiliser des petits pois frais. D'une tomate râpée, de 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, de 5 carottes, de 2 oignons hachés. Nous aurons besoin pour les épices d'une cuillère à café de curcuma, de gingembre, de poivre et de sel, de 2 gousses d'ail écrasées et d'un mélange persil-coriandre. Bismillah. Pour commencer, je mets mon tagine à chauffer sur feu doux. Ensuite, je rajoute 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors pour les personnes qui n'ont pas de tagine, vous pouvez utiliser des grandes poêles. Je mets la moitié de mon oignon haché et je laisse revenir quelques minutes. Ensuite, dans un récipient, je mets 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, l'ail écrasé, les épices et le mélange de persil et coriandre. Je finis par un demi-verre d'eau. Une fois mon mélange prêt, il ne me reste plus qu'à mariner mon poulet et à les disposer dans le tagine. Ensuite, je rajoute le reste de mes oignons dans la marinade. Je rajoute la tomate dans le tagine, ainsi que les oignons marinés. Il ne me reste plus qu'à rajouter les carottes sur le poulet. Et les petits pois. Je finis par un demi-verre d'eau et je laisse cuire à couvert sur feu doux pendant 40 minutes. Voilà, mon tagine est prêt à déguster bien chaud avec un bon morceau de pain. Et sur ce, je vous dis très bonne dégustation. En espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.